Alors ça, c'est une chanson pour tous les gros malins qui sont persuadés que aujourd'hui le président de la République il a plus de pouvoir parce que c'est la finance qui dirige à sa place. Arrête un peu ta parano, si vraiment les gouvernements ils étaient vraiment les larbins des multinationales, tu crois pas qu'à bien longtemps que les multinationales domineraient toute la planète et peut-être même le monde, et qu'elles auraient même plus besoin de s'acquitter de leurs impôts. Non mais sérieux, faut réfléchir deux secondes. Et si Macron il est passé avec 66%, c'est bien la preuve que son programme n'est peut-être qu'à la base il y en avait un. Et si la loi sur le travail elle doit passer en force, vous voyez pas que c'est parce qu'en fait ce truc là c'est vraiment pour notre bien, sauf qu'on est tous encore trop cons pour le comprendre. Dis donc, tu serais pas un peu complotiste, un peu conspirationniste? Je suis sûr que t'es antisémite et que chez toi à Noël on chante que des chants nazis. Allez, arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire la guerre en Syrie pour du pétrole? Qu'est-ce qu'on s'en branle de leur pétrole? Ouvre tes yeux. Hey, chez nous, il y en a plein les supermarchés. Si on fait la guerre là-bas, c'est uniquement culturel. C'est à cause que les terroristes, ils disent que nos femmes, c'est des putes. Qu'elles feraient mieux de se cacher leur sale gueule et de la fermer. Bon, c'est vrai, des fois ça se discute. Mais ça sort d'où cette histoire? Que nous, les blancs, on dévalise les richesses de l'Afrique. Sérieux, de quelle richesse tu parles? T'as déjà vu l'Afrique? Ils ont même pas un arbre. La vérité, c'est que depuis qu'on a offert l'indépendance aux Noirs, c'est le bordel chez eux parce qu'ils sont pas évolués. Alors quand tu dis que l'indépendance de l'Afrique, ça n'a jamais vraiment existé, je te trouve un peu négationniste, un peu néo-naziste. À l'époque, si on voulait se taper ta grand-mère facilement, il suffisait d'avoir 14 de moyenne en allemand. Les reptiliens extraterrestres qui prennent des apparences humaines pour diriger avec les francs-maçons toutes les plus grandes puissances capitalistes, et tout ça main dans la main avec les Illuminati. Alors ça ouais, ça fait flipper. Surtout qu'ils le disent sur Internet. En fait, les extraterrestres, comme par hasard, ils sont tous juifs.